Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour quelques couronnes de plus. Je vous avais promis la dernière fois une partie contre Wormwood, mais j'ai un petit problème technique avec. Il va falloir que j'essaye de la résoudre. Et je vous présente donc la troisième partie du tournoi, celle que j'ai jouée contre les Krix de Elmini. J'ai choisi de jouer Rahn parce que dans son autre liste, il y avait pas mal d'éthérés et ma liste Kalissa va pas bien gérer ça. Alors que ma liste Rahn peut le faire sans problème entre les Battle Mages, les Covering Fire Magique et ainsi de suite. Au final, c'est Scar qui arrive. Scar, il faut que je me méfie de deux, trois choses en fait. Ça va être les deux Stalkers, il faut que je les élimine le plus vite possible. Le Kraken, bien sûr. Et les deux Shrike qui peuvent être très dangereux avec Finis. J'ai gagné le jet pour commencer. Je choisis de prendre le côté plutôt, parce que là, comme vous voyez, il y a une forêt et des bâtiments qui sont assez gênants. Je préfère que ce soit Krix qui sont embêtés avec. Le tour de Krix, le premier tour, a été assez simple, il avance quasiment à fond. Il y a un stalker qui va être à portée de Discordia, c'est les mesures que vous voyez là. Si jamais je fais un TK de Rahn, donc ça va être mon objectif de ce tour. Donc Rahn TK tous les jacks pour pouvoir mettre des Covering Fire assez loin. Discordia va lancer un spray sur le stalker, elle va toucher, et je vais détruire le Cortex. Ça c'est nickel, ça fait un jack en moins. Et autrement, comme vous voyez, les 7x6, en fait, je vais les canaliser. Avec les 3 Covering Fire, je vais les empêcher d'avancer. Au début de son tour 2, Elmini va commencer déjà à voir ce qu'il peut faire un petit peu avec ses Stalkers. Il regarde s'il est à portée d'assassinat de Rahn, mais j'ai fait attention aux distances de charge. Et de bon, j'ai mis des Battle Mages autour. Donc normalement, Rahn, de ce côté-là, il est tranquille. Il va falloir aussi qu'il gère le problème des 7x6. Donc les 7x6, je les oblige à faire un grand détour pour venir au contact des Battle Mages. Elles pourront le faire qu'en courant. Il y en a peut-être une qui peut charger de mémoire. Donc ça fait déjà une unité de gérer aussi. Donc il va planquer finalement son Stalker. Celui qui est abîmé, il va venir taper Discordia. Il va faire quelques dégâts, mais c'est dans le champ, donc ça va être pas grand-chose. Bon, je le préciserai pas, mais bien sûr, à chaque tour, il y a un Scrap Troll qui va être sacrifié pour donner du focus en plus à Scar. Elle aura toujours 4 ou 5 focus en plus. Là, on a le Kraken qui avance, qui va balancer quelques tirs. Il va tuer un Battle Mage, les autres sont immunisés au Blast, et donc ça fera pas grand-chose. Il va pas sur Discordia, parce que Discordia a le sort qui empêche les charges sur ce Jack. Les 7x6 Raiders, elles vont courir pour engager mes Battle Mages. Donc comme je vous disais, je crois qu'il y en a une qui a chargé, je vais perdre un Battle Mage, je crois, je suis même pas sûr. Dans l'opération, Saxon il est un petit peu derrière, la sirène avance près du Kraken, et donc voilà, pour le reste ça va être du positionnement et ça va être à mon tour 2. Ce tour-ci ça va être mon tour de fight, mon objectif c'est de me débarrasser des 7x6, essayer de me débarrasser des Stalkers et des Shrike. Autant viser haut. Le Kraken, en gros, quand il y a un colosse comme ça, je laisse un petit peu vivre sa vie, il peut pas faire si mal que ça, et je vais m'occuper du reste. Donc là, j'envoie une chimère qui va balancer un slam dans le stalker qui est devant. Le stalker, ça va l'envoyer vers le shrike qui est derrière, donc je devrais faire des dégâts avec les deux. Bien sûr, quand Rahn fait ça, il a fité avant. Donc je vais détruire le stalker et le shrike va être bien abîmé. Pour pouvoir faire ça, il a fallu que je fasse un TK avec la chimère. Ce qui fait que Rahn se retrouve avec deux focus. Normalement, il est protégé du tir du Kraken. Ensuite, j'enchaîne sur les 7x6 Raiders. Alors, je vous fais un condensé du tour, en fait. J'ai tous mes Battle Mages quasiment qui vont aller dessus, plus mes Manticore qui vont faire des tirs une fois que j'aurai tué l'UA des 7x6. Elles seront plus que défense 14. Donc, au final, je vais éliminer toutes les 7x6 sauf une de mémoire. Et Saxon Auric va aussi y passer. C'est plutôt un bon résultat pour ce tour-ci. D'autant plus que je vais aussi finir au tir le Shrike qui avait été abîmé par le slam de Stalker dedans. Seul petit point noir, alors point noir c'est un bien grand mot, je vais pas réussir à me débarrasser du Stalker qui était déjà bien abîmé. Je vais essayer de taper dessus avec mon artificeur, ça va rater. Je vais taper dessus aussi avec Discordia, mais je vais le laisser avec un seul point de vie. En bas, je mets la chimère sur la zone, histoire d'empêcher le Kraken de marquer. Si le Kraken veut faire quelque chose, ben, il peut venir vers la chimère. Ça l'éloigne de Rahn, moi je suis content. Et je vais passer la main au Krix. Quand il reprend la main, Elmini a un coup moral, il a perdu beaucoup lors du tour précédent.
Il va commencer par regarder s'il a l'occasion de tirer sur Ran avec le Kraken, mais je me suis mis hors de portée, il peut tirer juste avec son canon principal, mais un seul tir, je peux l'absorber sans trop de problèmes. Surtout que j'ai une bonne défense avec le couvert, du focus, normalement ça devrait bien se passer. Bon, par contre, j'ai fait une erreur en mettant l'artificeur à taper sur le rack, sur le stalker. Ça donne une cible de charge pour le Kraken et comme ça il peut taper sur Discordia après. Ce que j'aurais dû faire, c'est une fois que l'artificeur a raté ses attaques, j'aurais dû faire reculer Discordia et basta. Donc au final, le Kraken va pouvoir charger, il va tuer l'artificeur, il va tuer le Discordia et il va faire mal en plus à mon Arcanaude qui a servi à faire le slam sur le stalker le tour précédent. J'espère que vous arrivez à suivre parce que moi je me suis pas totalement. Sinon, le Shrike, je sais plus ce qu'il va faire, mais ça va pas être énormément. Ça va être du repositionnement essentiellement pour Krix. Il va envoyer la sirène pour faire un petit spray sur des battle mages et contester la zone du haut. Une survivante, la survivante des 7x6 va charger les battle mages. Saxon, que je pense avoir tué le tour précédent, mais en fait non, va venir aussi contester. Donc là, c'est vraiment de la contestation et c'est tout. Donc moi, mon tour 3, bah le jeu, ça va être de nettoyer la zone pour marquer encore des points. Le Kraken, pour que je fasse vraiment attention au KTC, donc il faut que je m'éloigne, et il faut que je continue à contester la zone du bas. Tout ça va se dérouler sans trop de problèmes. Je vais en profiter aussi pour avancer mes Jacks pour qu'ils puissent menacer Scar au tour précédent, et pour qu'ils soient à portée du Kraken tout en étant hors de ligne de vue. Alors quand je dis à portée du Kraken, c'est grâce à un petit TK. Ran, je planque derrière la barrière, je fais un TK sur le Battle Mage qui était au contact du Stalker pour qu'il puisse aller taper de dos. Ça finit le Stalker qui avait un PV. Voilà, sinon c'est du positionnement et la Chimère qui est tout en bas. Je vais vraiment bien l'éloigner du Kraken, histoire que s'il veut s'en occuper, bah à ce moment-là, le Kraken est vraiment en jeu. Elmimi va encore regarder si l'assassinat est possible. Alors par contre, je suis hors de portée de charge. Au tir, Ran avec le couvert, plus artificeur, il a des 20 ou 21, donc il n'y a rien à faire. Donc là, il va jouer les points de scénario, histoire d'avoir un meilleur placement lors du tournoi. Le Kraken va charger la chimère. Alors j'ai de la chance, il va s'en sortir avec quelques PV. Scar, elle va venir vers la zone de mémoire. Et il y a un dernier Jack qui va aller essayer de contester ma zone. Et voilà, ça va être le dernier tour Syrah. Donc là, c'est du nettoyage. Je nettoie les derniers trucs. Ran va aller dans la zone. Il n'y a plus grand-chose en fait qui va être possible au niveau Krix. Donc voilà, on va arrêter la partie. Il y a juste la zone qui va nettoyer pour qu'il puisse marquer 2 points avec Scar de mémoire. Voilà, le Kraken fini. Et c'est la fin de la partie. C'est une victoire au scénario. Avec cette victoire, donc c'est ma troisième victoire, je me retrouve en finale contre Gamin. Donc là, ce sera la prochaine vidéo avec des commentaires de Gamin, normalement, comme ça vous verrez un petit peu les deux côtés. Je vous ai parlé des points de victoire, des points de scénar. Alors, moi, c'est un truc que j'ai pas géré sur les parties précédentes. La première partie, j'ai KTC trop tôt. La deuxième, contre Wormwood, on s'est amusé, on a fait plein d'échanges de pièces, ainsi de suite. Mais finalement, j'ai gagné autant et j'ai pas économisé vraiment beaucoup de points de scénario. Ce qui fait que maintenant, j'ai pas le choix si je veux être dans le top 3 du tournoi. En gros, il faut que je batte Gamma, sinon je serai dans les limbes, entre guillemets. Donc voilà, mon prochain objectif, battre Gamma et remporter le tournoi. On va voir si ça se réalise. Merci d'avoir écouté ce petit rapport et je vous dis à très bientôt.